quand tu vois la Martinique se déplace pour un événement pareil, c'est extraordinaire. On a une sensation de satisfaction déjà de commencer une manifestation qui est rare, rarissime et unique au monde. C'est l'amour d'un pays. Il y a la voile, il y a le mât, il y a la vergue, il y a les bois dressés, il y a la pagaie. Donc après, il y a les hommes. C'est vraiment un sport collectif. C'est comme si c'est une seule personne qui a dans la gueule. C'est pas une équipe, c'est une famille complètement. Mais on le vit vraiment ensemble. Quand tu passes 3 heures, 4 heures des fois sur l'eau comme ça, avec le soleil et la mer qui frappe sur ton visage, ça va faire très mal physiquement. C'est une embarcation qui te donne beaucoup de fierté. Quand tu es là-dedans, tu prends beaucoup de plaisir. Le sport, c'est ma vie. Je veux qu'on se fasse plaisir, quel que soit le résultat final. En fait.